Bon, les petits poulets, les petits poulets, les petits poulets, nous sommes partis pour une nouvelle vidéo sur Tesso, bien entendu. Hein. Et je ne sais pas trop ce que je vais faire des quêtes, en tout cas, j'en ai quelques-unes. Seulement, j'ai pas envie de faire directement l'histoire principale pour pas avancer trop vite. Ça, j'ai pas le niveau et ça, j'ai pas le niveau. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a des flèches sur la map. Comme vous voyez ici, là. Vous voyez la flèche là en haut? Voilà. Il y a quelques flèches pas mal comme ça. Et ce qui se passe, c'est que c'est apparemment des quêtes. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais aller faire ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, on voit la guilde des mages. Ah, ça serait une putain de bonne idée, ça, vu que je suis mage. Pas mal, pas mal. Bien vu, l'aveugle. Donc, du coup, on va aller voir ça tout de suite. Alors, fouiller. Ah, si vous voulez lire, vous avez l'avantage de faire pause. Hein. Pour les autres, je vais passer. Voilà. À vos souhaits. Je sais pas si c'est le même. Ça a l'air d'être le même. Bref. Vous pouvez faire pause. C'est une fascinante application de la technique. C'est ce grand mage lui-même qui fut le pionnier de cette technique. Tu veux voir de la puissance de la magie? Tu veux voir la putain de puissance de la magie? Tu vas voir. Hein? Hein? C'est qui le patron? Hein? Bande de nukes. Eh ouais. Ah oui, ça calme. Ah oui, d'accord. Bah j'ai plus qu'à fermer ma gueule. C'est bon. Elle m'a... Elle m'a mis la misère, là. Elle m'a ridiculisé, moi, en 10 secondes. Établi d'enchantement. Putain, c'est bon, c'est bon. Alors, ajoutez une rune de chaque type. Puissance, ok, d'accord. Et quand vous les emplacement, les runes, ok. Donc ça, c'est pour faire... Ok, d'accord, parfait. Et extraction, qu'est-ce que c'est? Ah, tu peux... Ah, pas mal, il faut souhaiter extraire les runes. Ok, donc en fait, si je comprends bien, la création, donc tu fais tout ça et ça fait un glyphe qui te permet d'enchanter des armes. Jusque-là, c'est pas très très compliqué, hein. C'est assez basique, mais c'est bien foutu. C'est franchement bien foutu. De drainer de la magie de cette façon sur le terrain. Vous n'écoperiez que d'un désastre. Bienvenue. Êtes-vous venu pour la guilde des mages? Bah oui. Oui, bien sûr. Nous protégeons le savoir partout en Tamriel. Des membres de la guilde recherchent des livres, des volumes et d'anciens parchemins tandis qu'ils voyagent. Pourquoi ne pas discuter ensemble un instant? Peut-être aimeriez-vous nous rejoindre? Bah ouais. C'est toujours un plaisir de parler avec une autre cherche-savoir. Nous sommes des chasseurs de livres, en quelque sorte. Nous cherchons de nouvelles informations, la capturons dans nos bibliothèques et produisons des copies pour les distribuer dans tout Tamriel. La guilde se moque des champs de bataille ou des frontières. Elle ne s'occupe que de la connaissance et de l'acquisition de nouveaux tomes. Ok, parfait. Vanus Galerion, l'un des membres fondateurs de cette auguste institution. Il porte encore le fier titre de maître de guilde et supervise toutes les maisons de guilde de Tamriel. Il travaille avec d'autres officiers, comme Tellinger l'artificier, pour assurer notre succès à venir. D'accord. Vanus Galerion. Tu retires le V, c'est tout de suite moins glorieux, hein. Oh putain, c'est lourd. Bon, allez. Du coup, je suis rentré dans la guilde ou pas? Vous pouvez voir la troisième loi de la pyrodynamique arcanique. C'est toujours un plaisir de parler. Excellent. Ah oui, voilà. Vous êtes désormais une étudiante de la guilde oui des... Oui. Alléluia. Vas-y, fais-moi ton speech, toi. J'attends. Ah, j'ai envie d'éternuer, c'est infernal, ça, par contre. Ah là là. Attends, t'es... Ça passe ou pas? Non. Ah, dégueu. Je suis désolé. Putain, fallait que ça sorte, pardon. Certains d'entre vous se demandent pourquoi je bannis la nécromancie de ma salle de classe. Oui, ça respecte bien la troisième loi arcanodynamique. Eh, c'est marrant, on dirait un petit bien... Ah non, je pensais qu'on aurait dit un œil de Magnus. L'œil de Magnus, mais non. Bien le bonjour, adepte.
Je pense avoir une tâche pour vous. Allez, vas-y, fais péter. Ces nouveaux membres sont la sève nourricière de la guilde des mages, surtout pour les missions de récupération. J'ai entendu parler d'un recueil de connaissances anciennes qui se trouverait dans une ruine non loin d'ici. J'aimerais que vous le récupériez pour moi. Ok. Au nord de la côte se trouve la ruine de Vondil. S'il vous plaît, allez enquêter dans cette ruine et ramenez tout livre intéressant que vous pourrez trouver. Parfait. Les ruines d'Ondil sont un endroit sombre. Alors, qu'est-ce que ça fait comme quête? Niveau, surtout le niveau qui m'intéresse en fait. Niveau 5, ben voilà! Ben voilà! Voilà, voilà, voilà! Alors, un membre passé de la guilde des mages, donc on est parti, on va faire ça aujourd'hui. Hein. Enfin, aujourd'hui. Pour cette petite, ce petit temps qu'on passe ensemble. Oh putain, bien, les lags. Bonjour. Du coup, est-ce que c'est... Ça me paraît bien loin quand même, non? Ouais, faudrait que je sorte de la ville. Classe! 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 C'est la première fois que je faisais ça, c'est pas mal. Par contre, ça prend une plombe, hein. Ça te prend une plombe, le voyage. Alors, j'en suis loin ou pas du truc? Je sais, j'en ai aucune idée. Ah, c'est là. Parfait. Excellent. Il est toujours avec moi? Non, d'accord. En fait, il s'en va partir à un certain moment. Je pense que nous allons au même endroit, non? Il est fort probable que toi et moi... C'est quoi ce bruit là? On dirait une vieille moto. On dirait une vieille moto toute pourrave. Ah! Putain, mais je comprends pas. Je comprends pas, je comprends pas. Bon, je comprends pas ces putains de trucs. Je sais pas. Ça me saoule. Ça me saoule. Si quelqu'un aurait l'amabilité d'un jour m'expliquer comment ce système fonctionne... Ben oh ça va, oh là là, pff, quel cinéma. Quoique c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je lui achète un jour des chaussures. Faudrait peut-être que je lui achète des chaussures. C'est gentil. Voilà l'ami. Ami compagnon orc, comment vas-tu? T'as fait péter le budget toi hein. Ouais, parce que si t'as un chien comme ça, ça veut dire que tu as été directement le piocher dans la petite... Ah oui, mais c'est vrai que... dans... Oula. Putain, je t'ai mis ta race, le paysan. Salut! Comment que ça va, toi? C'est marrant, on dirait des ruines Eileid. Alors oui, Eileid. C'est facile, c'est pas facile à dire, hein, Eileid. Dites 36 fois Eileid de suite. Eileid, 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 Eileid. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Putain, j'ai l'impression d'avoir fait un bond dans Bijon, c'est excellent. Tiki tiki tac, Ranger du risque. Alors je sais pas pourquoi je chante cette chanson, mais j'ai envie. Oh, ça part complètement en couille cette histoire. Ondil. Il est où sa chatte? Oh putain, mais non, mais comment j'ai osé faire ça? Mais oh là là. Non, mais faut vraiment que j'arrête. Hein. Je crois que c'est la fatigue là. Ah, c'est la fatigue, ça va être ça. En plus, je suis enrhumé, j'ai soif, j'ai éternu, c'est le bordel. Ah, quel bonheur.
En tout cas, j'espère que ces vidéos vous plairont quand même. Que je fasse pas tout ça pour rien. Faudrait que je me mouche, mais j'ai pas envie de moucher. J'ai un gêné qui quoi, attendez deux secondes. Ça va être dégueulasse, mais c'est obligatoire. Ah merde. Puis j'arrache le micro. Alors, oh, je vous dis pas le bordel que c'est. Mais bon, c'est pas très proche, je suis d'accord, mais au moins ça m'évitera de me couler dans la bouche. Le temps. Oh non, tu vas pas me refaire ce coup-là quand même. Bon, je fais pause et on se retrouve dès que ça aura chargé. Ah, les amis, nous y sommes, c'est parti. Ça a chargé, c'est juste qu'il y a du monde, donc voilà, donc ça a pris un peu. Bon, ça m'a un peu pris 100 minutes, hein. Ah, c'est cool, j'ai l'impression de me retrouver dans Oblivion, mais en 10 fois plus grand. Parce que, alors, Oblivion, laisse tomber, hein, t'as pas assez de place là. Hein. T'as à peine la place de passer ton perso. Hein. Y'a pas un livre que je cherche ici? Prendre une boisson. Y'a plein de peuples, c'est cool! Allez, laissez-moi-en un peu. Ah, baril. J'ai un gingembre. Toujours ça de prix. Et quoi, les gars, vous fouillez pas dans les caisses ou quoi? Vous avez déjà joué un Elder Scrolls ou bien vous touchez là? Sérieux? Fouillez un peu. Ah, un bouquin. Oh, c'est grand! Putain, je voyais pas ça si grand, moi! Takatam, 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 takatam. Takatam, takata. Je chante comme un pied, mais je m'en fous, je prends mon pied, sérieux. Ah, toi là, viens. Oh, cette portée, mais regardez-moi ça, c'est génial. Dites-moi dans quel MMO tu peux dégommer aussi loin des mobs. Ah, il y a dû en avoir, mais bon, c'est toujours drôle. Ragnar Lodbrok, pour ceux qui connaissent Viking. Alors Viking, c'est une série que je recommande à mort. Franchement, si vous avez jamais regardé Viking, matez-les parce qu'ils sont excellents. Voilà, après ça... Et puis l'acteur est vraiment exceptionnel aussi, j'aime beaucoup l'acteur déjà. Et puis il a des beaux yeux bleus. Ah, la blague. Ah. Sac à dos. On voit où est ma culture, hein. Viking et c'est Dora l'exploratrice. Le vent du changement, j'ai profité du règne. Ouais, d'accord, parfait. Ah, c'est pas un fucking coffre, ça? Interface, motherfucker. Eh ouais, c'est moi qui l'ai buté. Ah, c'est encore moi qui l'ai killé. Enfin, je pense. Il y a des livres par là? Ah fuck, c'était pas une bonne idée de s'achoper les deux. Ah, t'es calmé là, bichon, hein. C'est bon, il a tué l'autre. Eh, hey, t'es un bon, toi, hein. T'es un bon.
Classe. T'es un bon toi, hein. Eh, je t'aime bien. Neuf ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah non, c'est que j'ai chopé des trucs. Bientôt passé niveau 6, pas mal. Ouais, mais bon, ils sont pas méchants les bobs là. Y'a pas des coffres ou des trucs comme ça, ce serait sympa, non ? Là, lui, il pop de où? Je t'ai mis ta raclée. Alors, ça doit être en haut du coup. Putain, qu'est-ce que c'est grand! Je voyais pas ça si grand, moi. Oh la vache, c'est classe! Ah, ça calme, hein. Bah oui, génial de rétablir... Quoique, c'est quoi? C'est un bâton de soin? Putain, c'est bon, ça, je vais pouvoir virer le mien. Inventaire, main droite. Mais tu m'étonnes, t'as vu la différence de dégâts? Oh la motherfucker. Augmente l'armure et la résistance au sort de 6%. Parfait, 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 parfait. J'ai dit oui. J'ai dit oui, tu vas morfler toi maintenant. Je prends tête, prends. Tiens, 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 je te suce dans ton âme. Niveau 6, bingo in the face time. C'est quoi ça? Ça sert à recharger les armes de niveau 9. Ah, parce qu'en plus les armes doivent être rechargées. C'est sérieux ça? Vous avez reçu une pierre d'âme utilisable pour recharger les armes enchantées, amenées à la vie des alliés tombés au combat, vous ressuscitez vous-même. Ok. Ah, j'aspire ton âme, bitch. Oh, qu'est-ce que je suis vulgaire. Voilà, pour point artisanal et tout, et tout, et tout. Regardez, c'est pour moi tout ça. Est-ce que j'ai un point de compétence personnelle? Tiens, je vais donner en magie, parce que la magie, je vais en avoir besoin. Du coup, il y a compétence. Eh, oh, 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 oh! Qu'est-ce que tu fais, toi? Je vais t'apprendre ce que ça fait, la douleur, tu vas rien comprendre. Putain, j'aspire ton âme! Con, hein. Ah, mais y'en a partout, je suis entouré, bordel! Vite, au secours! Je vais me joindre à la bataille générale là-bas. Ça sent pas bon, ça. Je veux pas dire, mais ouh, c'était limite quand même, hein. C'était fucking limite. Merci mon pote. Je sais pas quoi. Checkpoint GM, je te remercie. Je te remercie mon pote, là tu viens de me sauver la vie. Alors. Ça c'est fait. Il y a encore un là, c'est ça si j'ai compris. Rituel d'invocation de l'archimage.
Bien joué. Je suis Chalidor, et je crois que vous conviendrez tout à fait. Ramenez ce livre à Valast. Dites-lui que le feu lui révélera les mots. Bon, allez. Meurs, mes crayons. Et du coup, j'ai plus de flammes, donc du coup, je peux plus faire brûle comme je faisais dans Ulture, quoi. C'est dommage. J'aurais plus qu'à faire gris. Alors, je sais pas du coup si les eaux elfes n'ont que la foudre en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas vu spécialement de... Ah, toi, tu l'as mal vécu. J'ai pas vu à présent autre chose que de la foudre sur mon mage. Donc, est-ce que ça correspond... Est-ce que la technique correspond soit à la race, soit... C'est que j'ai pas encore découvert les autres sorts. Oh, putain, ça va être pas bon, ça. Ah, je sais, j'ai une technique. J'en ai bloqué un. Hein. J'ai plus qu'à courir très vite. Oh le lâche! Ah, au secours! Putain, ça fait mal! Ah, putain, il me court, ces enfoirés! Vas-y que j'aggro toute la salle, vas-y que j'aggro. En plus, il gèle, du coup, je cours moins vite. Ah, j'ai aspiré ton âme! Je vais avoir plein de trucs à revendre. Je t'aide un peu, mon pote, parce qu'on m'a aidé, moi. Donc voilà. Moi, je rends ce qu'on m'aide. Quand les gens sont sympas avec moi, je suis sympa avec eux. Voilà. Bon. Bon, par contre, tu te démerdes après, parce que là, t'as un sacré pack de mobs là-bas au bout. Tu vas voir ce que ça va te faire. Tu vas la sentir passer. Alors. puissance. Faudrait que je fasse un moment aussi, je réorganise mes sorts. Parce qu'il y a des sorts apparemment qui ne gonflent qu'avec un certain point de machin. Mais bon, on verra tout ça, il n'y a pas de souci. Hein. J'organiserai mes sorts. Par contre, pourquoi je peux pas faire certains sorts? Parce qu'il faut avoir des points de combo, des sortes de points de combo, c'est ça? C'est possible et voire probable. Nous verrons ça plus tard, il n'y a pas de souci. On a le temps, on n'est pas pressé. Enfin, moi je suis pas pressé, perso. Après, moi je suis pas genre à rusher, hein. J'aime bien découvrir un peu tout, donc voilà. Puis il faudra que je passe aussi à la forge pour revendre tout le bordel que j'ai trouvé là. Voir s'il n'y a pas une meilleure armure, mais ça m'étonnerait vu que j'ai pris que du cuir, si je me rappelle bien. J'ai un nouveau bâton, le bâton il défonce sa mère, je suis content. Bon, c'est plus des petites piques que j'envoie, mais c'est de l'aspiration d'âme, c'est pas plus mal. Enfin, c'est de l'aspiration d'âme, c'est de l'aspiration de vie, hein, bien entendu. Alors, si tu me fais le coup de... Ce chargement prend un peu plus de temps que d'habitude, ça va pas le faire. Allez, vas-y, fais-moi sortir. Ta-ta-tam, ta-ta-tam. Ah, bah tiens, c'est drôle, ça. Bon, bah vous savez, on connaît, hein. Je fais pause et... Ah, enfin, bon, ça va, ça, 5 minutes, ouais, mais c'est vrai que c'est long, donc du coup, je pense que parfois, il perd un peu le fil, hein, ça arrive. Bon, du coup, on repart vite vers l'Académie des Mages. In the face, motherfucker. Ah, tu finis. Ah, c'est la puissance, eh, franchement. Ah putain, votre inventaire est prêt. Bon, tant pis, ce sera pour le suivant. Je suis sympa, moi, je suis un gars généreux. Qui c'est que ça? Paysan? Oh non, je m'en fous. Allez, allons voir ça, allons rendre cette quête. Ah,
Ah bah attendez deux secondes alors. Je vais descendre. Il y a peut-être même plus rapide à faire. Il y a peut-être même plus rapide à faire. C'est parti. Voilà. Bon, j'espère juste que ça va pas être trop long de chargement. Bah normalement c'est d'un truc à l'autre, donc je pense que ça va assez vite, non? J'espère. Je croise les doigts, je serre les fesses. Ah si, voilà. Et vous voyez? Vous voyez, je suis mis 10 ans encore. Allez. Ils se font tous jeter. Bande de moules. Ah, je suis un connard. On s'est tous avoir apparemment dans ce truc. On s'est tous pris le mob. Et bien sûr, tu comprends pas, donc tu réessayes. Ah, le truc de chien, quoi. La diplomatie, c'est l'art de mentir pour son alliance. Tiens, voilà, je te ramène tes putains de bouquins. C'était pas été foutu de ramener toi-même. Avez-vous réussi? Bien joué. Voilà qui prouve d'ores et déjà votre valeur aux yeux de la guilde. Étrange, vous dites? Que sais-tu? Chalidor, créateur du labyrinthe et de Parasortis. Vous êtes sincère? Et les pages de ce livre sont vierges. Pourquoi brille-t-il ainsi? Les thaumaturges de la première ère utilisaient une encre spéciale qui ne devient visible qu'une fois au contact de feu arcanique. C'est peut-être ce qu'ils voulaient dire. Vous trouverez un brasero non loin avec un tel feu. Jetez le livre dans le feu arcanique. N'ayez pas peur, les pages ne brûleront pas. Chalidor était le plus célèbre. Ouais, mais je connais, j'ai joué à Skyrim, ça va. du coup, placez le volume sur le brasero. Brasero là. Et il fait péter ta quête. Putain, vas-y. Ah, oh. Allez, crad, begin, ben, le fessel, fiston, fans, bref. Voilà, c'est fait. Et connasse, je te parle. Qu'a révélé le feu? Très complexe, en effet. Les tenants et les aboutissants dépassent mon entendement. Mais, tenez, voici un sort d'harmonie. Nous pouvons invoquer l'archimage Chalidor en personne. Ils canaliseront votre magie, harmoniseront vos énergies vitales et l'attireront jusqu'ici. Apparemment, le rituel liera également vos esprits. Bon, ça. Cela signifie que l'archimage sera en mesure de vous guider et de vous parler quand bon lui semblera. Vous êtes prête? Pas tout de suite. On va s'arrêter là, ça fait un peu long comme vidéo. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas le petit j'aime, petit commentaire et salut tout le monde, bisous.